Bon voilà, maintenant on va pouvoir passer à la couche de gel coat. Ça va permettre de faire vraiment l'étanchéité, boucher les porosités. La température extérieure est bonne, il faut qu'il fasse entre 18 et 25 pour une accroche optimale et durcissement optimal. Il fait 18. Donc on va pouvoir l'attaquer, donc toujours pareil, deux composants avec durcisseur. Et on va peindre toutes les parties apparentes où la résine est apparente au rouleau en appliquant une bonne grosse couche comme il faut. Allez, c'est parti. Bon voilà, première couche de gel coat passée. Bon là de loin ça paraît vraiment super propre, mais dès qu'on s'approche un petit peu, voilà, on voit qu'il y a encore un petit peu de porosité. Il y a des vitres qui n'ont pas été bouchées, c'est pas parfaitement plat. Après je recherche pas forcément quelque chose de parfaitement lisse, mais il va falloir faire plusieurs couches et entre chaque couche je vais mettre un petit ponçage avec un disque très fin pour essayer justement de retirer toutes ces petites bosses, ces petits trous, qu'elles soient comblées par le gel coat. Il faut mettre une grosse épaisseur de gel coat et là j'ai pas réussi à mettre une grosse épaisseur, donc il va falloir faire plusieurs couches. Les zones là bas ça a bien séché avec la résine, donc après on verra pour peindre tout le reste. Pour l'instant on va faire plusieurs couches là. Bon voilà, la couche de gel coat est passée. Par contre ce que vous avez pas vu, c'est que le gel coat que je vous ai montré juste avant, il allait pas du tout. Impossible, il séchait pas du tout, il a mis 2 semaines avant de durcir, ça allait pas du tout, donc j'en ai enlevé le maximum à la ponceuse une fois qu'il était assez dur et on en a pris un autre. J'ai commandé chez Key West donc un gel coat de finition blanc qui lui est parfait. En à peine 2 heures on peut déjà poncer, donc on a refait l'Alexis pendant que j'étais pas là, a remis une couche sur le tableau arrière exactement de la même manière que juste avant. Et je vous mets un petit lien dans la description du gel coat. J'ai galéré à en trouver un bon, pas trop cher. C'est très compliqué à trouver, il y en a plein de différents. Mais celui-là, il est nickel pour bateau, il sèche à l'air libre. L'autre, il ne séchait pas à l'air libre. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un petit coup de ponçage sur cette partie. C'est avec un grain de plus en plus fin. Et c'est lissé, il y a plein d'endroits encore à poncer sur le bateau. Ensuite, on mettra une petite couche sur les endroits où il y a encore la résine apparente. Et ensuite, pour finir, on mettra une petite couche très fine au pistolet partout sur le bateau pour avoir une belle couleur. Allez, c'est parti!